Per fare un buon vino, che sia bianco o rosso, ci vuole dell'uva che sia matura. L'uva, per essere matura, chiaramente il tenore zuccherino, quindi la quantità di zuccheri che ha. Pour faire du bon vin, qu'il soit blanc ou rouge, il faut que les raisins soient mûrs. Il ne suffit pas d'une teneur en sucre élevée. Aujourd'hui, il faut prendre en considération d'autres paramètres, comme par exemple une acidité correcte, une présence équilibrée d'anthocyanes, qui apporte la couleur au vin, ou de tanins qui lui confèrent sa structure. Il ne faut pas oublier non plus que le raisin doit être sain. Donc il ne faut pas qu'il ait été attaqué trop gravement par certaines maladies, comme par exemple le mildiou ou l'oïdium. Et si cela est possible, il ne doit pas non plus avoir subi l'impact de phénomènes climatiques comme la grêle ou une pluviosité trop élevée, qui pourrait détériorer la qualité. Anche l'uva non deve aver avuto l'effetto di fenomeni atmosferici che magari possono averne deteriorato la qualità. Quindi parliamo di grandine oppure una piovosità troppo elevata. Il est clair qu'à chaque vin correspond une vinification différente, qu'il s'agisse de raisins blancs, destinés à la production de vin blanc, ou de raisins rouges pour la production de vin rouge. Il y a en revanche des vinifications qui n'appartiennent pas aux deux genres précédents, comme par exemple la production de vin rosé, qui, en partant de raisins noirs, sont soumis à une vinification en blanc. Anche all'interno della vinificazione di vini rossi, abbiamo diversi tipi di protocolli che si possono. Et même en ce qui concerne les vins rouges, on peut appliquer plusieurs techniques de vinification. Il y a les macérations rapides, qui visent à mettre en avant les arômes et la finesse, ou bien les macérations plus longues, plus intenses, qui visent à apporter plus de corps, plus de rondeur, même en fût. Creare più corpo questi vini per dare più rotondità anche in bocca. La première étape de la vinification en rouge est le foulage. Ce n'est pas le mot le mieux adapté, parce qu'aujourd'hui on effectue, avant cette étape, un éraflage. Mieux, ce serait un foulage-éraflage. La rafle, qui est la partie verte de la grappe de raisin, est éliminée et n'est pas utilisée durant la vinification. Gli acini vengono schiacciati. La machine fait éclater les grains et fait couler le mou pour faire en sorte que la partie solide des grains ne forme qu'un seul bloc, prêt à être utilisé dans l'étape suivante de fermentation par les levures. La matrice di singoli acini diventi poi una matrice unica che sia poi pronta per essere appunto fermentata dai lieviti. Sotto la pigiatrice abbiamo poi una pompa. Une pompe électrique placée sous le fouloir envoie le moût dans les cuves pour la fermentation. Nei vinificatori che utilizzeremo appunto per la fermentazione. E qua nelle ore successive. Là, au cours des heures qui vont suivre, le moût est ensemencé de levures. Les levures sont des champignons microscopiques que l'on ajoute au moût afin de faire démarrer la fermentation, qui va transformer en alcool le sucre contenu dans le raisin. Per far sì che si inneschi questo fenomeno biologico che è quello della fermentazione, dove lo zucchero che è contenuto all'interno dell'uva diventa poi alcol.